Salutations, nous nous retrouvons à nouveau sur Ghostwire Tokyo. Dans l'épisode précédent, nous avons tenté de libérer le Japon pour son indépendance, en somme. Là, on Et va rejoindre nous avons notre été bon vaincus copain. par des misérables. T'as pas froid aux yeux? Là, on va se venger, hein. Les misérables vont payer. Ils vont payer pour ce qu'ils nous ont fait. Ils nous ont humiliés. Il est l'heure de la vengeance. Je suis la vengeance. Je suis Akio. Akio le Vengeur. D'ailleurs, on a testé la mitraillette et c'était pas terrible, hein. C'était pas très probant. Mais en même temps, on a essayé la mitraillette contre des japonaises aux gros seins, du coup, c'était délicat. Ma mitraillette était pas assez puissante. J'ai tiré à blanc. C'était dommage. Hein. Mais là, c'est la vengeance. Ah, la grosse boule de feu dans la bouche. D'accord, madame. Veuillez mourir. Ah! Ah bah on est déjà à sec, hein. Ah, ça démarre mal, hein. Moi qui pensais qu'on pouvait que faire mieux, mais... Ah, elle est partie. Elle est rentrée chez elle, bah d'accord. Dans ce cas. Attends. Je peux pas changer mon équipement là vite fait. Attends. Attendez madame. Je sais que je vous ai envoyé une giga boule de feu dans la bouche. Mais attendez. Chapelet, voilà. Chapelet de feu. Katon. Boule de feu suprême. Ça a pas touché, nickel. On est bien, jusqu'ici tout va bien. Ah, ça va mal se passer encore une fois. Hein. C'est bon, elle est morte. La japonaise est morte. Faut s'en faire une deuxième maintenant. Oh, annihilé en une boule de feu. On n'est pas peu fiers de nous. Et de deux. Et de trois. C'est trois boules de feu, hein, ceux-là. Je l'avais pas vu. Allez, l'érable là, il faut qu'il dégage. Monsieur l'érable. Tac. Tu penses que le brouillard s'est dissipé? La seule façon de le savoir, c'est d'aller voir. À moins Et que là, tu flâner un peu ici. C'est le combat qui m'a tué là. Du coup là. Aucune pitié, on arme la giga boule de feu. Bon, on est bloqué ici apparemment. Elles sont où les japonaises au gros sein? Elles sont là. Il y en a une. C'est bon, les deux sont là. Ah! Ah bah ça ne l'a pas arrêté, hein, mon dieu. Pas le choix. C'est bon, pas peu fier là. Elle là-bas, elle fait genre, mais elle est pas prête pour ce que je veux lui mettre. La mitraillette.
Bah c'est nul hein, les mitraillettes hein. En même temps on n'avait pas le boost de d'air que la dernière fois. Là on est en boost de feu. Mais voilà, le résultat est là. On aurait pu faire ça la dernière fois, mais la dernière fois on a été nul. Si est nul. Bon du coup la réponse est oui. Hein. Le Japon est libéré. On va remettre le chapelet de du vent parce que c'est 60% de dégâts. C'est vraiment pas facile. Ah bah le chapelet du feu. Tu peux te féliciter. Personne n'en ressort. Akito, n'oublie pas de ramasser ce qui traîne. Près du portail Tori. Ah bah y'a des âmes. En deux coups on les brise hein ceux-là. Mais malgré ça, ça reste une menace. Hein. Faut pas trop les sous-estimer hein, c'est con. Le chaton là, 4000 balles encore. Pas loin. Vraiment dommage pour eux. On va stopper tout ça. Laissez-les. Ah, ça se voit qu'on est au début du jeu là. Super. Voilà leur pote. Ces parasites. Insupportable. Fais attention à ce que tu dis, hein. Ça peut mal être interprété là. T'es en train de dire que les jeunes sont des parasites. Ça rappelle que c'est des écolières. Sans tête, oui. Mais ça reste des écolières, respectez-les. Les petits étudiants là. La jeunesse. Allez, ça dégage la jeunesse. Quoi ? Il ne te relève pas. Pas mes âmes. Ah, 85%. Bon, on les a tous eus. Reste plus qu'à libérer tous ces esprits. 300. Là, il doit y en avoir 200 à peine. J'ai laissé 25% se faire absorber comme comme un débile. Mal au cœur. Ah. Ça fait du bien d'aider les autres. Ouais. On va limiter les lamentations. Ça reste mieux que de rien ressentir.
ça passe, hein. Le talent, mon gars. Bon, c'est pas tout ça, mais on va se mettre en route. Parce que là, on traîne, on traîne. On va aller ici. Pour faire je ne sais plus quoi. J'ai oublié. Désolé. J'ai oublié. La mémoire flanche. Hein. J'ai de l'âge. J'ai de l'âge. Allez. Là-dedans. Va vers le fond. Oh, c'est glauque. Super. En voilà d'autres. Évidemment. Comment on rétablit le courant? Le bonjour. Ça pourrait être utile. Là-bas, il y en a une inquiétante. Alors, je vais prendre un coup de matraque, oui. Oui. Mais, je vais changer de chapelet. Ah, on a évité le pire, apparemment. Monsieur, veuillez mourir. Ah, la boule de feu était vénère, là. Bon alors? Je m'étonne que ça réveille. Enfin, malgré les 60%, l'encaisse dure, hein, la conne. Ça devient compliqué. T'inquiète, ça va aller. Tu crois? Non. C'est un menteur. Hein. Ah, il a renvoyé ma boule de feu? Bah nickel. Mais non, mais c'est complexe. Voilà. Je ressens la puissance. Boum! Bon, il l'a pris de plein fouet.
Non, mais je panique pas. Hein. Non, je suis serein. Après, j'aimerais bien un peu de lumière, quoi. Mais ça va, on a une lampe torche. Non mais tu fous ma gueule, c'est ça la lampe torche? Bah prends ton téléphone, hein. Il éclaire mieux que ça. Hein. Même mon téléphone éclaire mieux que ça, c'est dégueulasse. L'appel. Nous facilite pas la tâche. Mais c'est quoi? J'aime bien comment ils mettent à chaque fois une pause pour t'expliquer ce qu'est un objet que tu ramasses alors que toi t'es là en mode bois, ça m'intéresse pas, hein, monsieur. Enfin, moi perso, je suis là en mode bois, c'est bien. C'est un objet du folklore, bah c'est bien. Ça m'intéresse pas, hein. Par là. Jette un œil. Custom de Ringo. Pas mal. Mais elle a changé quoi dessus au juste? Si je dis pas de conneries, elle a utilisé du matos anti-esprit. En théorie, on devrait pouvoir traverser le brouillard avec. Et dans les faits, ça fonctionne? Attends. Donne-moi une seconde. Elle démarre même pas. Forcément, elle est à sec. Et puis, le turbo est complètement foutu. Il va nous falloir une turbine de rechange pour arriver à la relancer. Mais surtout, il faut de l'huile de l'outre-monde. De... quoi? Cette bécane est spéciale. Elle peut traverser le brouillard sans souci. Mais pour ça, il lui faut une huile spéciale de l'au-delà. Et là, on est à sec. Bon. Où est-ce qu'on en trouve? Je sais pas. Quoi? Bah nickel. Comment ça, tu sais pas? Ah, elle peut pas tout savoir non plus. Décroche. Allô? C'est sûrement quelqu'un qui va nous imposer son aide. Ah. Bah c'est Ringo. Comme j'avais autre chose à faire que de t'attendre, j'ai bricolé ce téléphone pour qu'il sonne et joue un enregistrement en boucle. Inutile donc de parler. Écoute mes instructions. Cette voix, c'est Ed.
Si tu es dans le garage, c'est que tu cherches à démarrer la moto de Rinko. Seulement, tu ignores où trouver la fameuse huile de l'outre-monde. Pourtant, je t'en avais déjà parlé, Keike, mais tu as sûrement oublié, pas vrai? Bien vu. On trouve cette huile là où les interférences de l'outre-monde sont les plus manifestes. Là où on le voit littéralement dégouliner dans notre monde. Tu ne pourras pas les rater. Je te laisse partir en chasse. Terminé. Bon, ok. On commence par où? Aucune idée. Hey, prenons de la hauteur pour couvrir un maximum de terrain. Là-bas, l'agence immobilière de Mitake, c'est le plus évident. Là-bas? Il me dit là-bas comme si je voyais le bâtiment, quoi. C'est où? Là-bas. Et Ed communique souvent par enregistrement comme ça? Ouais, presque tout le temps. Ça lui arrive de parler à personne pendant plus d'une semaine. Une fois, j'ai voulu le surprendre en lui faisant croire qu'il y avait un ninja derrière lui. Bah, et ça bah, il t'a pas cru, hein. Non, mais j'ai eu droit à un message de 20 minutes sur les ninjas. Bah nickel, hein. 20 minutes, waouh, insupportable. Tu lui fais une blague et il t'en parle pendant 20 minutes, et t'es là en mode... Ah, la bécane de Rinko, quel regret. Des roues au guidon. Ouais, l'équipe adore faire ce genre de truc. Surtout Rinko, en fait. Il n'y a pas que sa moto qu'elle bidouille. Elle a même fabriqué un robot nettoyeur. Tout ça parce qu'elle a horreur de passer le balai ou de faire la vaisselle. Ah, ça existe en vrai, elle aurait pu en acheter un tout simplement. Faudrait que j'en achète un jour histoire d'essayer, moi. J'avais une blague, mais j'ai peur qu'elle soit mal reçue, du coup je l'ai pas fait. Pour l'instant, j'en ai déjà de robots ménagers, c'est ma femme. Mais bon, c'est rigolo, non? C'est le problème, parce que... Le problème, c'est que vous râlez pour rien. Du coup, je suis là en mode ça serait rigolo de dire ça, mais en fait, je peux pas le dire. On avance. Bah, attends, ils sont en train de bouffer des âmes qui sont à moi là. Il y a mon nom marqué dessus sur ces âmes. Tu n'es qu'amour. Il n'est qu'amour, hein. Je ne suis qu'amour, venez à moi. Il veut nous baiser dans le cul. En tout cas, j'ai vraiment hâte de doubler mon nombre d'abonnés pour ne plus rien avoir le droit à dire. Déjà à 500, vous êtes pénible. Ouais, je fais votre procès là, et alors. Prends la boule de feu dans ta bouche, catin. Boum. Bon, en vrai, je me censure pas, hein. Comme vous pouvez le voir, j'y pense, je pense aux plaintes que vous faites, mais j'y pense, mais je m'en tamponne l'oignon. Ah. Bon,
Bon. Examinons cette zone. J'ai trouvé le matos pour la moto. Là. Est-ce qu'on aura la vision? De l'essence, une turbine et une interférence de l'autre monde. Tu t'intéresses au prêt à taux zéro? Ah, c'est ça que ça veut dire? Ah. Bah j'avoue que là il n'y a pas besoin de prêt. Hein. Globalement si je veux louer là, ou enfin si je veux être propriétaire, je me baisse quoi. Tous les apparts sont à moi là à l'heure actuelle. Toute la ville est à moi. Hein. Tokyo m'appartient. Ce portail Tori ne ressemble pas aux autres. Allons y jeter un œil. Bah. C'est pas ça du coup. On va aller tout doucement. Bah là il y a une station essence mais c'est pas là-bas. Dommage. Ah quand tu sais pas ce que tu cherches c'est compliqué. Hein. Ah bah nickel. Hein. Oh. Et dire qu'on a escaladé ça. Non, non c'est pas là-bas. Là-bas, il y a un autre portail là-bas, en rouge. Oh, belle bagnole. Elle a forcément un turbo, celle-là. Et de l'essence aussi. Bah, c'est de l'essence normale, sinon. Où elle est. T'as plus qu'à nous y emmener. Arrête, on dirait que je suis un chauffeur. Bah en vrai, c'est plus ou moins ce que t'es. Hein. Tu conduis caca là où il faut. Où on va maintenant? Et lui, bah, il gère les combats. Quoi. De toute façon, au bout du compte, toutes les routes mèneront forcément à lui. On va siphonner l'essence là. Ils ont un jerrycan de secours. Cette turbine marchera pas. C'est pas la bonne forme. Ça marchera pas? Nickel. Fais chier, Rico. Il fallait que tu utilises des pièces uniques, hein. Bah l'électricité du quartier est flanche. Oh hey, une lune rouge. Ah. Kéké, mon pied. Jean Kéké. Bonjour. Madame. Ah. Ah non mais non encore. Je perds mes pouvoirs tous les 4 matins, c'est insupportable. Ah bah j'ai pas d'armes. Ouais, y'a intérêt à être bon là. Kéké. Monsieur Kaka, où êtes-vous? T'es où? Mister Monkey. Down.
Saloperie! Akito, sors-moi de là! D'accord! Je vais les chasser. Ah bah, ça commence bien. Dans la bite. Une deuxième dans la bite. Bite only. Dans le genou. Dans la bite de la dame. Prends ça. Je crois que j'ai touché. Hein. Faut des flèches. Oh bah c'est illimité, bah tout le monde a gagné. Ouais, bien joué. Oh, il est chaud bouillant, Jean Coca. Ah. Akito, il y en a d'autres. Hey. Oh là là là, tireur d'élite ma gueule. On a un trophée et tout pour ce tir. Ah, tiens bon Jean Caca. Prends ça. Touchez pas mon fantôme de poche, s'il vous plaît. Dans les fesses. Ah, elle est trop plate. Vous êtes trop plate, madame. Pas besoin de s'affoler. Non, je m'affole pas. Hey, ça s'arrête jamais. Oh, mais attends, je suis bête. Voilà, chapelet archerie. Bon, je crois que c'était le dernier. Il faut que j'aille voir Keke. Ça va, Jean Keke? C'était impressionnant. Et on fusionne à nouveau. Merci. C'est fou comment on sent en sécurité là-dedans. Ouais, dans mon corps? Je suis d'accord. Je me sens en sécurité en toi, quoi. Ça fait plaisir à entendre. On me l'a jamais dit. Il nous reste à trouver la turbine. Essayons d'abord de trouver le reste. Bah en fait, quand on a les flèches illimitées, bah ça va, c'est facile. Voilà, c'est pour toi. Parlez pas trop, madame. Hein. Allez. Il va m'offrir un truc ? Nul. Merci. Hein. Ok, c'est fini pour. On va remettre le chapelet du bonheur. Oui. Madame, faut sortir. Hein. Sortez de votre cachette, madame. Arrêtez de faire la timide, là. Bah, nickel, on va tirer à côté. Hein.
Bon allez, s'il te plaît, sors de ta cachette. Hein. Voilà. Allez, la deuxième. Ah oh bah j'observe hein. Moi j'observe un truc, c'est qu'elle est chiante. Voilà. Petit magasin là. Bonjour. Talisman d'étourdissement. Ce talisman donne de l'éther. Ça ne coûte rien d'en avoir sur soi. Bah si ça coûte de l'argent. J'en achète 3. J'en achète 2. J'en achète 5. C'est le max 50? Trois concombres. J'achète tout, monsieur. J'achète toute la boutique, monsieur, s'il vous plaît. Une fraise. Ah, j'ai plus d'argent là? T'es en train de me dire que mes 100 000 sont passés là? Ah oui! Ça devrait recharger nos réserves d'éther. Non mais je pensais que j'avais argent illimité, mais en fait, on a trouvé la limite, quoi. Trois, et là, 4. Ah d'accord. Genre c'est littéralement le katon de Naruto là. Charge explosion. Ouais, pas convaincu en vrai. Le problème c'est que je suis convaincu de rien. Alors, t'as pensé à moi? Non, t'as besoin de rien. C'était ça l'upgrade de Kakashi du coup. Hors de question de les laisser faire. Ah bah d'accord. C'est sûr. Comme là. Ils ont invité les voisins? Ce sont pas ces mots. Ils veulent te plomber l'ambiance. Non, je te plombe rien, t'inquiète. J'en prends bonne note. L'ambiance est déjà délétère. C'est un 7 ou un 1? C'est un 1. Tu touches à ton cul, toi. Soit tu maintiens, soit tu t'attaques pas, quoi. Parce que c'est dégueulasse, hein, les dégâts. Ça s'est pas si mal passé. Ouais, ça peut être pire. Ça peut toujours être pire.
Bien. Allons en sauver d'autres. Bon, c'était pas glorieux, mais au moins le résultat est là. Hein. Nickel. Bon allez. Allez, on y va. Là j'y suis allé volontairement, je veux faire la bagarre. Ouvre la sortie. Est-ce qu'on a bien le truc de feu? Le chapelet de feu là? Ouais. Ok. C'est pas la sortie que je vois, là c'est la grosse bagarre. Moi j'ai un hop. On se recharge en feu. Trop tard. Trop tard, monsieur. La grosse tête est prise depuis 5 épisodes déjà. Ah ! Ah ! Plus de feu. C'est pas grave. On passe en vent, là. Technique secrète, mitrailleuse tu. Tu te la pèterais pas un peu? Non, 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 pas du tout. Non, mais je vais m'y mettre. Fais le malin. Hop là, technique secrète, mitrailleuse. Merde, j'ai pas de touche. Dommage, hein. Alors, Jean-Michel Beden, ça fait mal. Ah, mais je crois qu'elle les soigne. Enfin, qu'elle le soigne, plutôt. Non, je l'ai bien senti. Dommage. Voilà, le combat commence maintenant. Alors monsieur, donc est dur. Bon, c'était tranquille au final.
On est revenu. C'est bon. Ça commence à me gaver, ce truc. Non, ça va. Il me reste combien de place là ? Bon, ça va. On est large. Moshi moshi. Ohayo gozaimasu. Mal à trouver cette turbine. Mon bébé ne contient que des pièces exotiques, pas de la ferraille ordinaire. Justement, il y a une expo automobile en cours sous le carrefour de Shibuya. T'aurais pu y penser quand même, KK. Tous tes amis te trash talk. Ah bon ? Tiens à le dire. Bon, oh, allons voir ça alors. Monsieur, cela raconter celle-là. Tu crois? Attends, faut dire que ça vaut le coup de te voir en rogne. Pourtant, quand je suis dans le pétrin, tu l'es aussi. Oui. Oui, mais t'imagines à quel point ça vaut le coup du coup? Non, c'est des esprits. Là aussi d'ailleurs. On va retourner dans la cabine. On n'a pas battu le record encore. On avait fait déjà 14 000. Si on a battu le record, ça se joue à pas grand chose. Hein. Ah! Ne t'occupe pas de moi, Akito. Va-t'en. C'est pas toi qui décide. Je partirai pas. Je vais te sauver. Deux levels. Eh ouais, niveau 25. Du coup, attends, on peut encore augmenter la vitesse des signes. 50% et après. Il me manque un, ok. Et là. Ça fait quoi? Instantanément? Ok. C'est pratique. Selon certaines conditions que je n'ai pas compris. Il y a vraiment des bâtiments si bas que ça, en mode compact, genre les escaliers là. Les escaliers ultra compacts. Ok, je vois où aller. Alors, je pense pas que ça va marcher, mais... On va s'arrêter avant, ouais.
pense que des mortels ne sont pas censés voir ça. C'est beau en vrai. C'est vraiment stylé ce genre de truc, hein. Vous savez, là où tu vois une chose et t'as autre chose là. Après le... Autre monde. Une fois dedans, on pourra pas en sortir comme ça. T'es paré ? Ouais, je suis paré. Le seul problème, c'est qu'il y a un temps de chargement. Sans temps de chargement, ce serait incroyable. Tu vois, il y a ça, là. Voilà. Sans ce petit machin, là, ce serait incroyable. Genre en mode, tu rentres, tu sors, et c'est instantané. J'imagine qu'ils ont essayé, mais ils sont pas arrivés. Ratchet et Clank, ils y sont arrivés, ce truc-là. Si Ed dit vrai, l'huile d'outre-monde doit être dans les barrages. On a de la compagnie. Mais j'imagine que pour y arriver, ils sont obligés de se concentrer sur une et une seule console à la fois. Parce qu'il faut pas oublier que... Que Ratchet et Clank, genre, ils sont... c'était que sur PlayStation, du coup, ils ont le temps de travailler dessus. Et j'imagine que si ce jeu avait été que sur PlayStation ou Xbox, ils y seraient... Enfin, ils y seraient arrivés aussi. Peut-être que je dis des bêtises aussi. Hein. Ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant non plus. Par pitié, hein, faites pas ça. D'ailleurs, Xbox, il y a quoi comme bonne exclu en ce moment ? Il y a Starfield ? Et c'est tout ? Il y a d'autres exclus cool de Xbox qui sont sortis ? Alors attendez madame, j'équipe de quoi vous satisfaire. Bah j'ai tout pris dans ma bouche. Hein. Voilà mon huile. Ah, voilà, disparu. Bah nickel, on est bien. Évidemment, ça aurait été trop facile sinon. Il suffit de jouer le jeu. Ouais, mais pas trop longtemps, j'espère. Ah, attends. À chaque fois, je fais carré alors que c'est L2 pour looter. Hein. C'est quoi ça ?
pas vraiment l'air de vouloir partir. Vous êtes grande, madame, mais ça me fait pas peur. Elle est ratée alors qu'elle fait 3 km de grand là. De haut. Ah ! Elle a pas respecté ma boule de feu ! Ma boule de feu ! Vraiment, ça dégoûte. Ma boule de feu a rebondi comme du n'importe quoi. Ça aurait été trop facile sinon. Il suffit de jouer le jeu. Ouais, mais pas trop longtemps, j'espère. Il n'a pas vraiment l'air de vouloir partager le monde. Juste à balancer à ses pieds, on voit comme ça, ça pousse. Attendez, monsieur. Monsieur qui est une dame. Allez hop, donne ton cœur. Récupérons cette huile. Y'a rien d'autre ? Rien d'autre. Vous avez l'air dans le pétrin, les amis. J'ai des tonnes de trucs pour vous. Bah, j'ai tout ce qu'il faut. La corruption revient. Voilà pourquoi la plupart des gens ne respectent pas. Ouais, j'avoue, j'ai paniqué, mais pour rien. On se sert pas assez de la parade. Hein. Bah si, je m'en occupe, hein. C'est l'XP. Hein. Là, la vieille meuf, c'est 500 XP ou 1000, hein, je sais plus. Hein. Alors je te garantis que je vais m'en occuper, hein, de la vieille. Hein. Une japonaise au gros sein, on s'en occupe. Hein. Boum! Nickel, je vais mourir. Allez, vite! Il y a des bruits qui sont plaisants, hein. Des fois il y a le bruit un peu à la DBZ et c'est cool. Genre la boule de feu d'avant, le bruit me faisait un peu penser à la DBZ et c'était super cool. Vraiment c'est cool. Il y a des bruitages comme ça. D'ailleurs, One Piece utilise les bruitages de DBZ et bah c'est cool. Je sais qu'ils les utilisent alors que je suis pas arrivé... à l'endroit où ils sont en train de les utiliser. Ben voilà, 500 XP, hein, c'est gratos ça. C'est quoi le niveau maximum de ce jeu ? On a réussi. Il est bien haut, celui-là. Comment l'atteindre ? On pourra certainement pas d'ici. Essaie l'autoroute pour voir. Comment ça, l'autoroute ? Là, là ?
Lieu et connect. Bon, c'est un gratte-ciel, tout ce qui est de plus banal hein, pour moi. Mais j'aime pas les gratte-ciels. Hein. Fais gaffe. À quoi? Alors, toi et ta sœur, vous étiez seuls? Ouais, c'est ça. D'accord. Raison de plus pour la sortir de là, alors. Ouais. Ah, ok, on a tout rendu déjà. J'avais oublié. Ah oui, 15 000, c'est vrai. Enfin, 14 000, presque 15 000. J'oublie vite. Hein. Dis, pourquoi Rinko pensait que t'étais au courant pour l'expo? Je sais pas. Ah, il est pas mort. Après, au vu du trou béant qu'il a dans le vide, voilà, c'est fini tout pour court. On est déjà venu ici, non? J'ai compris. Mon fils adorait cette voiture. Cette turbine devrait faire l'affaire. Oh, on a tout ce qu'il faut. Retournons à la planque réparer cette bécane. Faut sortir un pour cette épée. C'est la première fois que tu parles de ta famille, je crois. Parce qu'il n'y a rien à en dire. Si tu te livres... Si tu te livres, je me livre. C'est la première fois que tu parles de ta famille, je crois. Si tu te livres un peu, eh bien, je pourrais me livrer aussi. Je vais y réfléchir. Ouais, non, on va pas se le faire deux fois, on l'a déjà fait celui-là. Ah d'ailleurs, faut arrêter l'épisode. Désolé, j'avoue, je suis un peu absorbé par ce que je fais, et du coup, j'oublie que je suis en vidéo, alors que c'est un truc que je suis pas censé oublier. Bon, merci à vous d'avoir été présent aussi longtemps sur cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le dire. Hein. Vous dites, oui, j'ai regardé entièrement ta vidéo, j'ai passé un bon moment. Bah, vous savez quoi, si vous me dites ça, ça me fait plaisir, n'hésitez pas. Comme ça, je sais s'il y a des gens qui regardent jusqu'au bout. Si vous n'avez pas de compte YouTube, bah créez-en un. Ça dure pas longtemps. Allez, et abonnez-vous!